Bonjour Victor. Bonjour. Comment est née l'aventure TerraGrain? Donc TerraGrain, avant tout, c'est un magasin. On a ouvert il y a 4 ans. Et donc, moi, ça fait un an que je suis revenu sur la ferme. Et donc, il fallait que je trouve un nouveau projet pour compléter. Et donc, au fur et à mesure de mes stages et des visites que j'ai fait durant mes études, donc j'ai visité différents moulins et fait des stages chez des minotiers. Et donc, c'est vraiment une activité qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai voulu retransmettre ça sur la ferme. Est-ce que tu peux nous parler de ta farine d'épeautre, puisqu'on parle bien de farine d'épeautre? Comment donc t'es venue cette idée, ses caractéristiques? Donc là où j'ai fait mes stages, ils faisaient surtout de la farine de blé. Et donc moi je me suis dit, pour me différencier quand même ici, ce serait intéressant de trouver une autre céréale. Et donc on a trouvé l'épeautre. Et donc on a fait un test une première année, donc sans la transformer en farine, donc ça a plutôt bien marché. Donc l'avantage, c'est que c'est une céréale qui nécessite très très peu d'intrants et aucun produit phyto. Donc c'était l'avantage au niveau de la production. Et ensuite, au niveau de la consommation, ce qui est intéressant, c'est que c'est une farine qui est donc très ancienne, donc n'a pas été modifiée, et donc c'est une farine qui reste très légère à digérer. Oui, qui a des vertus vraiment importantes. Ça, c'est ses vertus. Et en même temps, au niveau de la cuisine, on peut faire plein de choses à faire avec. Par exemple du pain, des crêpes, des gâteaux, des sablés. Moi, j'ai vu que tu avais des sablés là sur le stand. Ça. Et où est-ce qu'on peut trouver ta farine? Donc, on peut la trouver avant tout chez nous, dans notre magasin. Donc à la ferme. Ensuite, donc on a quelques boutiques à côté, dont chez Babette, à Ifto. Ensuite, on a des distributeurs, donc près de Rouen, à Mont-Saint-Aignan, à Ferme du Chapon, à Piscicoville. Ensuite, on a quelques magasins. On a aussi l'abbaye de Saint-Vendry, chez les Moines. Ensuite, on fait quelques événements comme ça, par-ci par-là. Merci beaucoup, voilà. Victor, et bonne fête du ventre. Merci également.